Bien, mesdames et messieurs, vous avez reconnu le format, c'est Terre à Terre, on est chez vous, on s'invite comme ça. Terre à Terre, c'est votre plateau, hein. Ici, on dit Terre à Terre, des choses pour que les gens du quartier, les grands-mères du village puissent comprendre facilement. Parce que venir avec des gros mots, c'est compliqué, c'est pour ça que la communication ne passe pas souvent. Aujourd'hui, nous avons une grosse pointure, au niveau de la mairie de Yaoundé 2. Allons permettre, n'est-ce pas, à cette grosse personnalité de se présenter. Moi, je l'appelle Monsieur le Maire. Bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour, Edouard Adongrassé. Est-ce que Monsieur le Maire peut se présenter de façon terre à terre à tout ce monde qui est en train de regarder? Avant de me présenter, je veux te rappeler que je ne suis pas une grosse pointue, je suis seulement le 43, donc je suis une petite pointue. Ah, d'accord. 43, c'est pas rien petit. C'est pas une grosse pointue, c'est une petite pointue. D'accord. Ok. Je suis Claude Samé Monté, 4e adjoint au maire de la commune d'enregistrement de la ville de Sel-Colline de Yaoundé 2e, qui a sa tête le maire Marcel Yannick Aïssi Elundou. D'accord. Monsieur le maire, aujourd'hui, on va parler mariage, on va parler naissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas au niveau de la mairie. Ben, ce qui nous motive d'abord, c'est cette affaire de danser pendant les mariages, la célébration des mariages. Monsieur le maire, comment l'idée là est venue? Ah, je savais que ça n'allait pas louper. En fait, c'est une question qui revient souvent. Ben, il a noté que... Au préalable, moi, je n'avais pas l'intention de célébrer les mariages, en fait. D'accord. Parce que il faut que les gens comprennent que la mairie, ce n'est pas seulement la célébration de mariage. La mairie, c'est tout un ministère. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un maire, il y a 4 adjoints. Et chaque adjoint a une fonction précise. Il y a le premier adjoint qui s'occupe de l'urbanisme et du désordre urbain. Il y a le deuxième adjoint qui s'occupe de l'hygiène et de la salubrité. Il y a le troisième adjoint qui s'occupe du service social et de l'état civil. Et moi, je suis le 4e adjoint en charge des recettes et des finances. Ouais. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'optimiser, de trouver les stratégies pour que les recettes augmentent. Et comment monsieur le maire a attiré au niveau des mariages? Bon, j'ai attiré au niveau des mariages parce que vous savez, le samedi, il y a des sollicitations et chaque maire doit célébrer. Oui. Vous savez, bon, moi, pour la petite histoire, au départ, j'avais refusé. Quand c'était à mon tour de célébrer, je m'arrangeais toujours à venir en culotte pour qu'on ne me programme pas. Parce que je me disais me mettre devant les gens et parler, c'était un peu difficile. Ouais. Et je me disais aussi qu'avec tout le volume de travail qu'il y a de ninja vendredi, que le samedi puisse aussi me reposer. Ouais. Et c'est donc comme ça que le maire un jour m'a pris par surprise. Il était à une célébration, il a que le maire montre qu'il allait faire l'entrée. Je me suis mis à côté de lui, comme sur le patron, le patron a parlé. Je me suis mis à côté de lui, j'ai commencé à célébrer. On célébrait ensemble, il s'est levé, m'a laissé. Bon, est-ce que, alors, la première fois que monsieur le maire danse, c'était alors quoi? Chasser la frousse, c'était quoi dans le truc? Parce que, pour la petite histoire, hein, tu sais que nous, on est dans les bars là-bas dehors, les gars commencent à dire que le premier mariage que nous, on a vu, où monsieur le maire dansait, on dit que le type-ci, certainement, c'était sa petite, pour donc montrer qu'il ne sent rien, il se met à danser. Ou alors, c'est une fille de sa famille à qui tout le monde a dit que tu ne vas jamais te marier, et comme elle se marie, monsieur le maire est content. C'était quoi ça? Non, mais en fait, c'est venu d'un constat. En fait, parce que je me souviens, alors, j'étais en train de célébrer un mariage et j'ai demandé au couple de s'embrasser. Ils se sont levés, ils sont embrassés, mais la femme timide a un peu eu honte, elle s'est assise. Et quand elle s'assoit, le monsieur commence à lui dire, tu vois ce que tu me fais devant les gens, non? Elle t'attend à la maison, tu vois ce que je vais te faire. En pleine célébration de mariage. C'est pas possible. Et en fait, et quand je suis un peu bizarre, un peu, je suis même stupéfait parce que je me rends compte que ni les témoins, ni les chefs de famille, ni l'assistant ne voyaient ce qui se passait. J'étais le seul qui se passait devant moi. Oh oui. Je lui demande, mais c'est quoi le problème? Levez-vous. Qu'elle se lève, je dis que mettez la musique, il commence à danser. Et essentiellement que la dame me dit, mais monsieur le maire, venez danser avec nous. Il dit que, hey, comment ça, j'ai l'écharpe. Comment? Restez-moi quand même. Il dit, non, monsieur le maire, venez danser. Comment? Je me suis levé, après j'ai soulevé la main, tout le monde a crié, hey. C'est comme s'ils aiment. Après, j'ai encore soulevé l'autre main. Il dit que, ah, ça, il me s'est assis, que non, je pense que la prochaine fois, c'est un peu comme ça que cette idée est arrivée. Oui, monsieur le maire, parce que à Yaoundé maintenant,
Je ne sais pas comment tu t'en sors le week-end. Hein, parce que les gens partent d'autres mairies pour seulement venir au niveau de Yaoundé 2. Et entre temps, est-ce que quand les gens viennent annoncer, publier leur banc, ils insistent qu'il faut que ce soit M. le maire Monté qui soit officiant? En réalité, quand quelqu'un vient de loin, généralement la plupart des gens qui viennent de loin, comme vous l'avez si bien dit, ils quittent des mairies. Oui. D'ailleurs. Et quand quelqu'un quitte la mairie d'ailleurs, c'est parce qu'il sait qu'à Yaoundé 2, il y a l'attraction. Oui, oui. Et ça veut dire qu'automatiquement, quand il vient, il sollicite le maire. C'est vrai que parfois ça se passe mal. Parce que vous savez que la mairie, c'est comme un ministère. Ouais. Et il y a les apacheurs, comme c'est le terre à terre, il y a les apacheurs partout. Oh, ouais. Et quand tu arrives à la mairie, un apacheur prend ton dossier et dit que non, je vais te faire servir le mariage pour le maire monter. Ouais. Et quand tu arrives, le jour du mariage, tu vois que c'est un autre maire qui entre. Ça fait que moi, j'ai souvent eu des problèmes parce que les gens commencent à dire que non, le maire là, il se prend à la tête, il ne servait pas le mariage des pauvres, il servait le mariage des riches, alors que je suis venu ici pour rien. Les apacheurs, arrêtez ça vite. Bon, monsieur le maire, maintenant, il y a des détails que les gens ne maîtrisent pas. Pour venir publier les bancs, c'est combien de temps avant la célébration du mariage? Non, la publication de bancs, c'est au moins un mois avant, ouais, avant le mariage. C'est-à-dire que c'est un mois, ça peut être plus, mais il faut que ce soit un minimum de un mois. Et si c'est à moins de un mois, il faut aller prendre la dispense du procureur de la République. Ouais. Qui dispense pour que ce soit à moins d'un mois. Est-ce que les gens ne sont pas souvent arrivés là-bas dire que monsieur le maire, c'est quand même moi. Moi, je vais voyager, donc vraiment dans deux semaines, fais-moi ça rapidement. Vous savez, c'est un acte, quand vous êtes officier d'état civil, la prestation de serment est personnelle. C'est-à-dire que si vous vous amusez à signer un acte comme ça, là, quand vous le signez, tant qu'il n'y a pas de problème, ça passe. Ouais. Le jour qu'il y a un problème au tribunal, on dit, mais est-ce qu'ils ont respecté la procédure? Et c'est à ce moment qu'on va arrêter l'officier d'état civil. Ouais. Donc vraiment, il faut demander aux gens, et j'ai tout le monde pour dire, venez à temps et publiez les bancs normalement pour que ça vous protège, vous, d'une éventuelle annulation de mariage, et ça me protège, moi, aussi le maire qui officie. Bon, avant de célébrer le mariage, monsieur le maire, est-ce que vous vous rassurez que la famille a bu, elle a mangé? Ou bien ça ne... il n'y a aucun blocage par rapport à ça? En fait, vous voulez parler de la dot? Le code civil dit le non-paiement de la dot, qu'elle soit partielle ou totale, n'est pas un motif d'opposition pour un mariage. D'accord. C'est ce que les gens ne savent pas. Je vais vous raconter une histoire où moi j'ai eu à vouloir, j'ai célébré un mariage et il y a eu opposition en fait. Ouais. Non, c'est pas moi, c'est mon collègue qui a célébré, c'était deux jeunes, il y a eu opposition. Et mon collègue se lève, il part, il dit que le temps de ce qui s'arrange. Moi je reviens, je fais en soi les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ils me font comprendre que non, voilà, le père n'est pas content parce qu'il n'a pas fini la dot. Il dit que mais ils sont majeurs, ils sont libres d'aller s'exprimer. Et après donc, c'est comme ça que j'ai dit, ok bon, vous allez repartir dans la salle. Et il y avait un avocat qui commence à dire, non, il a pris l'argent, il commence à vous dire que non monsieur. Allez lire l'ordonnance 1960. Ouais. La loi dit le non-paiement de la dot, qu'elle soit partielle ou totale, n'est pas un motif pour une opposition de mariage tant qu'ils sont majeurs. Et ça a continué. On a servi et puis j'ai dit, ok, allez vous arranger pour la dot après. Bon, est-ce qu'il est souvent arrivé que pendant que vous êtes en train de célébrer, je crois qu'il y a un moment où vous demandez s'il y a une personne qui voudrait faire opposition par rapport à la célébration d'un mariage. Est-ce que vous avez déjà eu des cas pareils où vraiment le mariage a été annulé? On a eu ce genre de cas, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le cas beaucoup plus basé sur la dot. Ah, donc ce qui ne concerne même pas. Non, parce qu'il y a des préalables. C'est quand on publie les bancs. Ouais. Il y a un délai pour venir faire opposition. Ouais. C'est même, en salle là même parfois, c'est même pas trop. Parce qu'on demande, mais est-ce qu'il faut faire opposition par écrit pour déposer l'opposition? Mais bon, à ça maintenant, on prend, on vous fait asseoir, on essaie de conseiller. Si le motif n'est pas valable, on continue la cérémonie. D'accord. On ne se lève pas pour dire que bon, peut-être parce que c'était ma petite. Bon, imagine-toi que moi je suis dans une salle. Un gars prend ma petite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit opposition et ça va aller dans tous les sens. Ouais, vraiment. Donc, il faut que l'opposition soit fondée. D'accord. Oui, monsieur le maire, entre temps aussi, est-ce que il vous est déjà arrivé de célébrer un mariage et puis les époux ne s'entendent pas sur le régime? Le régime de planteur, mais le régime de banane. Non, il a dit que le régime matrimonial, on demande c'est polygamie ou monogamie. Là-devant, il y a masse. J'ai déjà eu ce genre de problème à plusieurs reprises. C'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai toujours pour habitude de tirer un peu sur les familles. Que les familles apprennent souvent à laisser les couples un peu tranquilles. Hein. Quand... Il a dit, papa, maman, tu t'es marié à l'époque. Personne n'est venu faire opposition. Personne n'est venu dire là que je choisis comme ça. Maintenant, quand le tour des enfants arrive, tu arrives avec ton museau, c'est pas bon. Voilà, monsieur le maire. Parce qu'en fait, j'ai eu ce problème-là. Le plus courant qui m'a le plus touché, ça a même une leçon parce que
Le monsieur lui vit en Italie, ouais. Et la petite est ici au Cameroun. Ils ont fait les bancs ensemble. Le monsieur arrive et ils s'entendent. Ils s'entendent qu'on okay, va aller signer monogamie. Donc dans l'assistance, pendant que la dame dit, le monsieur dit polygamie, la dame dit non, c'est parce qu'on s'est dit. Et la dame dit monogamie, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe. Parce que, le monsieur dit polygamie, la femme dit monogamie. Dans ce genre de cas, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on amène d'abord les mariés au bureau pour essayer de faire une conciliation. Vous voyez un peu, ouais. On amène les mariés au bureau, dans la salle, je dis que mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous chargez. Elle me fait comprendre que le mari dit qu'en fait, qu'elle était en train d'entrer, sa mère a dit que non, tu sais quoi, il faut pas signer polygamie. Ouais. C'est ça qui commence à tirer sur les couches. Je dis que mais attends, la femme lui dit mais tu es malhonnête, tu m'as dit monogamie quand on sortait de la maison. Pourquoi toi tu dis maintenant polygamie? Tu veux faire plaisir à ta mère? Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Finalement, les parents sont entrés. Les parents finissent par convaincre la fille d'accepter polygamie. Mais maintenant, c'est parce que quand moi j'entre à nouveau dans le bureau, je dis bon, vous êtes arrangé, elle me dit, monsieur le maire, avec les larmes aux yeux, je signe polygamie parce que c'est mon papa, je veux faire plaisir à mon papa. Mais là, vous voyez qu'elle est sous l'effet de la contrainte. Oui, oui. Alors que la loi dit, on doit accepter, donner son consentement sans contrainte. Voilà. C'est que j'ai dit, ok, bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est un jeune. Je me suis dit, bon, si j'ai l'air de mariage, si je laisse ça aller jusqu'à la fin, comment ils seront dans la maison? Après, voilà. Il y a ce manque de confiance. Puis demain, après qu'il y a le divorce, je crois qu'il n'y a pas de souci. Aller dans la salle. Dès qu'ils sont dans la salle, je suis passé par la deuxième porte de ma voiture et démarré, je suis parti. Ah bon? Et je suis sûr que les parents même de la fille ont accepté pour les gagner comme ça, parce que le gars, il était en bain, hein, parce qu'il était un mois comme ça, les gars allaient bloquer que zéro. Non, c'est pas ça. Ils ont vraiment mis la pression sur la fille en disant que non, tu sais, la polygamie, c'est rien, tu peux bien te comporter. Et je dis que non, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il y a déjà une crise de confiance. Les jeunes sont là, ils sont de la maison avec un choix d'un régime. En tête, vous venez maintenant, vous les parents, vous n'intéressez, c'est pas normal, vous ne venez pas, ils sont libres. Voilà. Et mais finalement, pour la petite histoire, c'est que le lendemain matin, ils sont venus à deux, ils ont signé monogamie. Voilà. Sans que il oh, y ait oui, de pression. On a payé les témoins, les soeurs, les familles sont venus que non, on signe monogamie. Et c'est ça. Voilà. Alors, chers parents, vous comprenez donc que vous devez laisser les enfants respirer. Maintenant, monsieur le maire, est-ce que ce ne serait pas juste de souvent prendre ces gens là-bas dans le bureau, que vous dites quoi, parce que vous ne voulez pas avoir le spectacle là-bas devant? Ouais, mais ça... C'est quand même terrible. Les gens sont déjà venus, on veut que la on a déjà vu le vin et à manger partout. Et les gars viennent créer une situation devant le maire, c'est compliqué. C'est vrai que ça nous a servi de leçon parce que maintenant, au préalable, on essaie de s'arranger. Ouais. Et comme on dit souvent, il y a tous les apprentis sorciers que ça a la dernière minute pour la mère, la paix, pour dire qu'ici, là, nous, on n'est pas d'accord. Toujours la mère. Ouais. Bon, monsieur le maire, est-ce que vous ne pouvez pas savoir combien de mariages monsieur le maire a déjà célébré jusqu'à présent? C'est beaucoup. Au quartier, on dit seulement beaucoup. Beaucoup seulement. C'est le pied à terre. Oui, beaucoup. Pas de cas de divorce déjà, parce que quand monsieur le maire fait sa part, c'est pour l'éternité. Hein? Non, nous, on ne s'est pas pour divorce. C'est tellement tu es dans la joie que tu oublies que le divorce existe. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des petits soucis. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, en dehors de ça, il y a certains mariés, lorsqu'ils ont des soucis, ils me rappellent. Ouais. Parce que la dernière fois, on m'a appelé. Je suis arrivé dans un bureau, il y avait déjà un avocat. Je vois le jeune couple, mais je vois qu'ils ont déposé des alliances et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà. J'ai dit, mais ça fait 3 mois que vous êtes marié. Qu'est-ce qui se passe? La femme dit, non, il a changé. Je dis, que tu sais la différence entre ton petit ami et ton mari? Madame, tu es mariée. Il ne doit plus laisser n'importe quelle liberté. Si voilà. Tu es marié, il faut comprendre que c'est le mari qui donne la direction. Et bon, le mari, en bon père de famille, ce n'est pas la dictature. Vous êtes jeune et puis essayez d'aller. Et puis bon, voilà. J'ai quand même réussi à conseiller les avocats de sortir, de me laisser avec le couple. On a pu parler, et puis ben voilà, ça va, je pense que ça a repris. Alors, nous avons donc deux régimes, c'est-à-dire polygamie et monogamie. Monsieur le maire, quel est le régime qui mousse là-bas au niveau de la mairie de Yaoundé 2? Non, mais le régime qui mousse beaucoup, c'est la monogamie actuellement. Ah. Ouais, ouais, les gens signent. Et moi, ça me fait un peu mal quand les gens se marient sur le régime monogamique. Ouais. Parce que si, quand il se marie sur le régime monogamie, ça me diminue le nombre de mariages. Alors que si il se marie polygamie, ça me donne l'avantage. Que le gars va revenir, il va revenir. Mariages, ça me fait un peu. Bon, monsieur le maire, l'histoire de monogamie, bien commun, je crois que c'est ça qui attire beaucoup les femmes. Alors il faut bien leur expliquer bien comment ça commence quand, ça finit comment. Parce que c'est souvent très compliqué. Parce que l'homme a beaucoup de moyens, la fille part et elle sort les yeux pour bien commun. Est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière ça là? Non, je pense que s'ils se marient par intérêt, il y a le piège. Mais s'ils se marient par amour, je pense que
il ne peut pas avoir de piège. C'est pour ça qu'on demande qu'il faut d'abord bien faire le choix de son partenaire. Non, vous voulez dire que, est-ce que les femmes peuvent comprendre que, bien comment là, c'est à partir du moment où ils se marient, que ce que l'homme avait avant, ça ne les concerne pas. Vice versa. Oui, c'est vrai que c'est un cas un peu où je ne vais pas trop me prononcer parce que d'accord. J'ai oublié, il ne faut pas dire les choses. Et que j'ai encore c'est parce que j'ai ce souci-là. Ça va être à quand le mariage, parce que c'est les biens qu'on a dans le mariage en fait, oui. Dans la communauté. C'est parce que les gens qui viennent souvent se marier 15 ans après, donc dans la vie commune, ils ont fait 15 ans, ça on dit qu'ils ont déjà eu à faire certaines choses ensemble. Mm-hmm. Mais un nouveau marié, là, chaud, le gars il est en Italie, la fille ici à Yaoundé, ils sont vus sur Facebook, tout de suite se marient, bien commun, mais ce que les gars ont eu avant, ça ne concerne pas les autres. En principe, ben donc, je dis que pour ces questions, je vais un peu, j'ai un peu bien en fait, parce que je sais pas, faut pas dire les choses, c'est que faut être humble dans la vie. Oui. C'est vrai que je suis un mec qui est spécialiste en descendance, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis diplômé du centre de formation pour l'administration municipale de ces femmes de Boya, option administration générale cycle 1. Donc la gestion des collectivités territoriales, c'est mon domaine. D'accord. Donc c'est que je ne peux pas trop se prononcer sur l'affaire où les filles sortaient les yeux là. Oui. Bien quoi, parce que il y avait un voisin comme ça à l'époque, il avait trop de moyens. Non, il y avait une voisine qui avait trop de moyens. Et puis, elle s'est donc mise avec un gars qui n'avait rien. Ouais. Ah, la belle-mère. La belle-mère était fâchée. Quand on demande, tu fais quoi? La fille est majeure et puis elle veut se marier. Elle veut la tranquillité. La mère dit, bon, c'est pas trop le mariage, mais c'est bien comment là qui m'énerve. Voilà. Parce qu'elle voit que les biens de la fille. La fille va aller prendre tous les biens de son fils qui a travaillé seul. Bon, ça c'est compliqué. Alors, au niveau des biens séparés, ça signifie que chacun gère son truc. Chacun gère son chacun. Ça veut dire que tu travailles, je travaille. Tu prépares ce que tu vas manger, je prépare ce que tu vas manger. Bien, ça passe comment? Non, en fait, c'est que généralement, ces choses interviennent généralement. Parce que ce qui se passe, c'est que l'article 212 nous fait comprendre que le couple se doit mutuellement fidélité, secours et assistance. Voilà. Dans ce coup, c'est un devoir beaucoup plus matériel. C'est que c'est l'obligation quand l'un est conjoint, en fonction de ses ressources, de subvenir aux besoins de l'autre, tant les besoins propres que les besoins de famille. C'est que si c'est le monsieur qui a plus, il subvient sa femme, c'est la femme qui a plus, elle subvient. Donc c'est ça le truc. Et tu vois, après ça, il y a l'assistance. Ouais. C'est que c'est la présence physique. Vous voyez que donc vous pouvez perdre la maison parce que l'homme reste le chef de famille. C'est lui qui prend en charge la maison. Ouais. Donc vous ne pouvez pas dire que parce que c'est bien séparé, chacun achète. Si tu fais ça, c'est que tu perds ta valeur de chef de famille. Voilà. Donc c'est que vous pouvez vous asseoir et puis que bon, ok, vous repassez les tâches. Bon, toi tu travailles, je fais ça. Toi tu travailles. On sait comment ça se passe en Afrique. On sait qu'en Afrique, on sait que la femme, même si elle travaille, son argent, c'est pour les tontines. C'est l'argent de l'homme qu'il faut gérer tout. Mais ce n'est écrit nulle part, hein. Mais c'est comme ça que nous gérons. Ah, mon frère va faire comment? Elle savait calculer, c'est moi dans la poule des hommes. Monsieur, mais parlons maintenant des naissances. Après combien de temps on devrait établir un acte de naissance? 90 jours. 90 jours. 3 mois. Oui. Si cette date, on est au-delà de 90 jours, ça devient compliqué. C'est pas un jugement au tribunal. Oui. Et là-bas, c'est compliqué. Mon frère, très compliqué. Ouais, c'est pour ça qu'on demande aux gens de le faire tôt. Oui. Et que dit des enfants qui grandissent comme ça, jusqu'à ils vont mal à l'école, on ne sait pas comment on fait pour les inscrire à l'école. Mais c'est quand ils veulent déjà faire le SEP, parce que c'est déjà SEP, on a enlevé le O, c'est plus CPE. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas pourquoi, le E l'a dérangé trop. Alors, c'est quand l'enfant veut déjà faire le SEP qu'on sort maintenant à établir un acte de naissance. Là, ce n'est pas encore plus compliqué. Non, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut d'abord aller au tribunal, demander à rencontrer un juge, déposer, à passer par les greffes, déposer un dossier. Et aller à passer à l'audience. Vous voyez, vous passez à l'audience, on va effectivement faire même un certain âge apparent pour savoir à peu près quel âge vous avez. Parce qu'il faut qu'un médecin vous consulte, vous savez comment il a à peu près tel âge. Après, maintenant, ça, on sort une grosse. Et maintenant, avec la grosse d'assurance du tribunal, on vous envoie dans une mairie qui établit votre acte. Vous voyez qu'elle est très longue. C'est oui, très longue. Donc, c'est mieux de faire ça avant les 90 jours. Et là, je pense que c'est gratuit, non? L'état civil est gratuit. Mais pourquoi les gens compliquent? Non, vous savez, parfois, ce n'est pas que les gens compliquent, c'est la négligence. On se dit, et les gens ont un petit mystère, ils se disent qu'ils vont arriver à la mairie, on va leur demander beaucoup d'argent. Oui. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que lorsque vous venez reconnaître un enfant, il peut avoir quand vous n'êtes pas marié, oui. Vous venez reconnaître un enfant, il doit avoir des frais. Oui, ça va peut-être beaucoup, peut-être des timbres et consorts. Oui. Mais quand vous êtes marié, automatiquement, vous venez, vous mettez les timbres, et puis c'est bon. Mais les gens aiment attendre. Parfois, vous savez, ce qui nous tue, c'est que dès qu'un enfant naît,
C'est le père qui veut le nom, c'est la grand-mère qui veut le nom. Finalement, même le parent même qui a fait sa chose, on ne lui donne pas le nom. Et c'est l'histoire de tirement de nom. Le ouais. nom, si vous n'êtes pas marié, tu ne pas mettre la fille, tu peux pas mettre le nom de ton mari. C'est oui. pas ça, le père oui, de l'enfant. Oui. Si tu n'es pas là-bas, tu peux pas. Et ça crée, c'est l'enfant se retrouve sans acte. Mais il y en a même qui disent que, comme il n'y a rien entre ma fille et toi, le nom du père, on met PND. Et ça existe encore PND. Non, en ce moment-là, la loi demande de laisser le vide. On n'écrit plus PND. Voilà, on laisse le vide. Voilà, parce que PND là, on se demande même s'il est. Alors, tout le monde a lu PND sur les articles, on s'est même rendu compte qu'il existait même. Donc, c'est un monsieur qui fait trop d'enfants. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que comme on n'est pas sûr, vraiment qu'on les abole au vide. Comme ça, le jour qu'il se déclare, on remplit le vide. Là. On va là où il a fait l'acte de naissance. On va au tribunal, on fait la reconnaissance, mais on remplit seulement. Encore le tribunal. Encore tout le tribunal. Ça devient encore plus dès compliqué. Dès qu'un acte est déjà établi, même seulement la création d'un mot. Puis l'acte là va passer par le tribunal. Aïe. Même une seule lettre va passer par le tribunal. Ouais. Bon, alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin pour déjà encourager les gens à se marier, établir les actes de naissance et surtout les inviter encore à venir du côté de Yaoundé 2 parce que là-bas ça mousse. Non, ce que nous on dit, c'est que on se rend compte, on dit aux jeunes. Le mariage, c'est vrai qu'on le fait d'une manière festive parce qu'il faut comprendre que le mariage est d'abord stressant. Oui. Parce que les gens, pour se marier, prennent d'abord les dettes. Ils prennent les dettes. Et entre temps, quand vous allez vous marier, vous avez payé les réunions que vous devez recevoir. Vous commencez, ça commence à être lourd. Oui. Il y a la pression qui monte. Et vous arrivez à payer dans une salle un événement de joie parce que dans la vie d'un être humain, il y a trois événements majeurs. Oui. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a le décès. Quand vous naissez, si vous êtes ça vous concerne parce que si tu es un homme et qu'on te met le kaba, tu vas dire quoi? On te met la robette, tu es là couché, tu as la robette, tu vas dire quoi? Vraiment. Quand tu décèdes, si on dit que ton cercueil sera zingué, si on va mettre ta terre avec le kaba, tu n'as rien à dire. Le seul événement où l'homme peut se préparer, c'est le mariage. Ouais. Alors le mariage doit être une manière de soit te faire d'une manière festive, parce que c'est ouais. un événement de joie. Et le mariage est le début de la responsabilité. C'est l'un des pans de la responsabilité. Parce qu'un homme qui est marié, tu vas pas lui dire à 5 heures que allons bagarrer, prends le couteau. Il va dire, mais c'est pas là, ma femme et mes enfants font comment? Voilà. C'est ça qu'il faut encourager les jeunes à se marier. Ouais. C'est-à-dire que même dans la joie, que même demain, quand il y aura les problèmes, ils vont voir la façon avec laquelle la cérémonie s'est bien passée, ils vont rire. C'est juste pour marier que on le fait. On le fait parce que. On aime bien danser. Ouais. Pour que le jour que vous avez un souci, vous vous rappelez ce jour comme étant un jour de joie. Voilà. Parce qu'en réalité aussi, le mariage n'est pas facile. Oui. Il faut leur montrer que vous allez entrer là, c'est le stress. Voilà. Mais sentez-vous heureux et créez une certaine complicité. Oui, monsieur le maire, est-ce que, pour finir, lorsque vous avez déjà fait 15 ans avec la fille de Cruy, sans de rien, la belle-mère peut venir l'enlever jusqu'à elle n'a pas de problème? Ah, je ne pense pas qu'on enlève. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit mineure ou majeure. Ouais. Mais étant un majeur, c'est un bien commun accord. Il y a des gens qui ont dit que non. La mère va dire qu'il faut sortir. Elle te dit non, maman, je ne sors pas. J'aime mon ami. Ouais. Tu vas faire comment? Mais aussi des parents, encore les parents ouais. qui influencent. Et les parents même qui viennent souvent jusqu'à s'ingérer dans la vie maritale ouais, de ouais, leurs ouais. enfants. Ouais. C'est pas bien. Il faut laisser les enfants avoir leur propre état. Et moi, je pourrais plus dire que. Nos parents, nous sommes les menteurs. Ouais. Parce que le parent t'a toujours montré que tout son mariage est toujours bien. Alors que dans la chambre, il se bagarre. Voilà. Mais chez nous, les jeunes, actuellement, ce n'est plus ça. Dès que ton mari t'a dit move, Facebook. Ouais. Tu es devenu le tribunal des Africains. Bien sûr. Dès que ton mari t'a pas rationné, Facebook. Ouais. On a autant de nos grands-parents. Il n'y avait pas ça. Il a dormi dehors, conseillez-moi. Facebook. Je fais comment? Mais le jour qu'il te rationne, tu ne demandes pas sur Facebook comment il avait utilisé l'argent là, non? Voilà. Alors, mesdames et messieurs. Alors, c'est fini donc avec Terre à Terre aujourd'hui. Vous avez donc le 4e agent-maire de Yaoundé 2 qui vous invite à aller vous marier là-bas chez lui. Parce que quand on se marie là-bas, les filles, pour arrêter vos gars, allez vous marier à Yaoundé 2 parce que là-bas, c'est garanti. Quand vous êtes marié, plus de divorce. Merci. Il est en promotion. Il est en promotion. Merci. Merci.